Ma French team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Tony Jazz. On va répondre à des questions qui sont assez... Oh, je pense que c'est des questions, on va s'embrouiller. On va s'embrouiller. C'est-à-dire que les hommes et les femmes ne sont jamais d'accord. Exactement. Et une fois de plus, on va montrer que c'est le cas. C'est ça. Donc, on a combien de questions au total? Alors, on a une dizaine de questions. La première partie de cette vidéo se passe ici, sur son compte YouTube. La deuxième partie de cette vidéo se passera sur mon compte YouTube. De plus, dans cette vidéo, nous allons avoir une sorte de Batman qui, de temps en temps, va interagir, qui est derrière la caméra. Donc, nous allons retranscrire ce qu'il dit. Comme ça, ça nous donnera un avis d'homme supplémentaire. Malheureusement, j'ai pas de copine pour contrer, parce que du coup, là, c'est 2 contre 1. Oui, mais non, ça va bien se passer. Je sais que tu sauras prendre ta place. C'est vrai. Ok, c'est parti pour la question 1. On va commencer avec la première question. Et franchement, ça fait débat partout, sur Twitter, sur TikTok, sur Insta, dans les lives, vraiment partout. Ma French team, avant de commencer la vidéo, je voulais vous présenter une marque qui s'appelle Ana Luisa. Ils font de très beaux bijoux. Regardez. Je sais. Par message, sur Instagram, Sheima, où est-ce que tu as vu tes bijoux? Franchement, c'est même pas... Non, je mens pas. Je vous jure que je mens pas. Il y a des filles qui m'ont posé la question. Sheima, où est-ce que tu as vu tes belles petites boucles d'oreilles? Franchement, c'est trop. Mes favorites, j'adore. Et du coup, je me suis pris donc une paire de boucles d'oreilles et 2 petits colliers. Super sympa, voilà. Ah, c'est classe, c'est discret, c'est joli. Bien sûr. Vous avez moins 20% avec le code promo BeFrenchy10. Oui, normalement c'est censé être 20, Sheima. Pourquoi? Je vous ai chopé plus 10%. C'est bon ou pas? C'est cadeau, n'hésitez pas. Surtout que, en fait, moi, j'avoue, je suis pas très bijoux. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, je les perds souvent. Ou alors, j'aime bien être toute nue. Voilà, ça c'est dit. Non, pour de vrai, je dors avec les colliers parce que du coup ça me dérange pas. Mais les boucles d'oreilles, je les mets que genre à des moments, voilà, quand j'ai envie de faire la belle durant un date. Je vous invite à aller regarder ce qu'ils font, franchement c'est archi propre. Les bijoux aussi ne bougent pas du tout, vous pouvez vous doucher avec. Transpiration, ça tient très très bien. Les prix sont abordables et ça vient des États-Unis. En plus, ils viennent de débarquer en France. Que demande le peuple? Franchement, j'adore. En attendant un mari, c'est moi qui me paye mes bijoux. Après, ça va, franchement, c'est abordable. N'hésitez pas à mettre des petits bijoux, des petits trucs, des détails, quoi. Parce que je sais qu'il y a des hommes qui regardent ça. Voilà. Franchement, j'adore. Mais t'es fraîche, toi, dis donc. Je sais. Allez, c'est parti. Je vous laisse regarder la vidéo. Je vous embête pas plus. La question fatidique est la suivante. Qui paye au premier rendez-vous? Non. What? Quoi, what? Alors... Paraît-il que l'homme doit tout payer, tout le temps, mais ça, ça sera sur les questions qui vont arriver juste après, ouais, machin. Sur une autre question. Ouais, mais on y va mollo. On y va tranquillement. Détance. Voilà, exactement. Première question, on va pas se taper d'entrée, ça va bien se passer. Moi, je pense qu'effectivement, l'homme, au premier rendez-vous, doit tout payer, mais pas parce que c'est l'homme. C'est juste parce que, voilà, c'est une sorte de manière de faire un cadeau, d'accueillir, de prendre en charge. Mais c'est pas un truc de... Ouais, c'est l'homme qui doit toujours tout payer. Par contre, le 50-50 premier rendez-vous, faites pas ça. Ça, c'est pas un bon signal. Moi, je te rejoins. Ouais, ça, c'est pas un bon signal. Mais c'est pas l'homme qui paye tout parce que c'est lui qui doit tout payer. Si elle veut tout payer au premier rendez-vous, moi, ça me pose aucun problème. Je trouve même ça limite sexy. Non, mais il dit absolument n'importe quoi. Bon, premier date. En plus, j'en fais beaucoup. Vas-y, j'en fais beaucoup. Voilà, si vous avez le temps, n'hésitez pas à aller regarder mes vidéos. Je débrief mes dates et en plus avec la madré, archi drôle. Tu valides ou pas? Je l'adore, la madré, c'est la meilleure. Dans les dates que tu as eues, est-ce qu'il y a un gars qui t'a déjà fait « on fait un 50-50 » ou genre « je paye pas » ? Never. Mais vous savez pourquoi? Vas-y. Moi, en fait, je demande ça subtilement. J'avoue, je suis un peu une tarba. Tu demandes qui paye? Non, mais attends. Ah, genre avant le date? Oui. Ah, sinon, tu y vas pas? Oui. Parce que quoi, t'as pas d'oseille ou... Mais pas du tout, encore une fois. Hein, mais ça, c'est trop un truc de fou. En fait, je comprends pas les mecs qui pensent que quand on demande, enfin, quand on n'aime pas le 50-50, c'est qu'en gros, on est des michetots. Mais à quelle heure on va michetonner un plat de pâtes? Enfin, un resto, je veux dire, on a de l'argent. Alors, juste, je dis pas que c'est toutes les meufs, mais moi, j'ai déjà vu des trucs passer sur TikTok ou sur Insta en mode... Oui, toute la semaine, je me fais inviter par mes dates et du coup, toute la semaine, je mange gratos. J'en ai fait un réel. J'en ai fait un réel pour rigoler. Mais tu penses vraiment que... Non, en fait. En plus, si on accepte tous les restos, mais je te promets, je prends 10 kilos. Non, mais c'est vrai. Mange des sushis. C'est vrai.
Bon, je t'explique un peu ma technique. Alors vas-y. Les filles, vous pouvez aussi le faire. Franchement, jusqu'à aujourd'hui, ça a fonctionné. Ah, je vais la noter parce que je chante. Vas-y, vas-y. En gros, voilà, vous rencontrez un mec, voilà, sur Tinder, Muse, etc., machin, vous parlez avec. Et moi, en fait, la façon dont je fais, je la passe en mode blague. En mode, ah du coup, nanana, comme tu m'invites, c'est toi qui payes, avec un smiley MDR. Et là, en fait, vous allez voir, je te jure, David, il rigole. David, il rigole. Hey, je te promets que ça marche. Mais il n'y a aucune subtilité, là. Non. Elle dit, c'est hyper subtil, les filles. Elle est où, la subtilité? Bon, il n'y a pas de subtilité, mais je te promets que, en fait, après, tu vas voir comment est-ce que le mec, il va répondre. Soit il va dire, ah ouais, je pensais que tu m'invitais. Mais alors ça, c'est salut. Ça, c'est non, franchement, non, je suis désolée, je réponds même plus. Non. Si, mais David, il est pas d'accord. Moi, je suis d'accord. Oh là là. Après, ça va être... Moi, ça veut juste dire que la fille, elle est juste intéressée par le fait que ce soit lui direct qui va payer. Voilà, David dit... J'ai besoin d'elle. Non, David est en train de dire, là, ça se voit que la fille est directement intéressée et qu'elle dit clairement, c'est le mec qui doit payer, et elle lui dit. Attends. Non mais attends. Non mais il n'y a aucun problème. Intéressé par quoi? On est intéressé par quoi? Je ne comprends pas là, ton raisonnement. Là, je ne comprends pas. Hey, je te comprends. Viens ici. Vas-y. On va s'expliquer. Non, vas-y. Une fille qui, dès les premiers messages, commence à te parler d'oseille. Non mais attends, on parle pas d'argent, d'un resto et qui invite. Je suis désolée, on parle pas de c'est quoi ton revenu, combien est-ce que tu gagnes par mois. Je pose pas ce genre de questions. Non. On demande déjà. Pour moi, c'est subtil de dire ça. En fait, je le fais passer en mode blague, mais David, il rigole. Donc, en fait, si je comprends bien, moi. Et ça marche, hein? Ouais, ok. Ouais, j'imagine bien, le mec, en gros, s'il paye pas, il t'aide pas. Donc, forcément, bah ça voilà. marche. Parce bah, ça marche, c'est rédhibitoire, ça marche. Mais je veux dire, toi, tu demandes systématiquement. Tu laisses pas, genre, allez, non. On va au resto, on verra non. bien. Ah non, toi, tu veux être sûr que ce soit lui qui paye. Ouais, ça, c'est fini, ça. Ou en mode, vas-y, on y va à l'aveugle, tout ça et tout. Non, non, non. Moi, je demande toujours. Moi, ça, c'est ma technique. Après, à faire ou pas faire, okay. Non, moi ça marche. Okay. Donc à partir du moment où j'envoie ce genre de message, après en général c'est bah, bien sûr, je t'invite. Tu vois, ça va être des phrases en mode c'est bon, c'est validé, le mec il a passé le truc. Ok, d'accord. Okay. Donc toi tu veux être sûr quand même qu'il paye. Oui. Moi je pense qu'on peut faire un deal. Même si j'ai les capacités de payer quand même un resto. Hein. Ok. Et je trouve que c'est encore plus stylé. Laisser un peu le doute planer jusqu'au bout et tu fais non, allez, c'est moi et tout. Mais, t'es ouf. Mais alors, pas du tout. Comment ça? Attends, comment ça là? Franchement, oh là là, j'en perds mes mots, je pète un câble déjà. On est qu'au début de la vidéo, je pète un câble. Planer le doute de quoi? Non, en fait, que... je suis désolée, on est en 2023. Gentleman ou pas, en fait. Gentleman ou pas. Si tu veux faire du 50-50 ou si t'attends que la meuf paye. Non, moi j'attends pas qu'elle paye. Ah. Et bah, même le 50-50, non, à ce moment-là, on est potes. T'es pas dans la séduction. Non, mais on dit pas ça. On n'est pas en train de dire ça. Je suis pas très content, mais moi je trouve ça cool de laisser le truc jusque le gars arrive et dit, c'est, je sais pas, 70 balles. Bien sûr, je paye. Non, c'est moi. Non, non, tranquille. D'accord. Genre, la fille, elle sort une fan, genre, non, non, t'inquiète. J'aime bien. Si la meuf elle fait rien, elle attend comme ça, j'aime pas. Si elle fait Il a tellement raison. Si elle fait juste même genre. Les filles, soutenez-moi s'il vous plaît. Non, il a raison, il a raison. Non, j'explique ce qu'il est en train de dire. Je suis pas d'accord. T'es pas mon petit frère pour que je paye ton plat, je suis désolée. Attends. Non, je suis désolée. J'explique ce qu'il est en train de dire. Et moi je trouve qu'il a raison. Quand arrive le moment de payer, quand la nana elle est là. Quand la nana elle est là. Et qu'elle fait et que tu sais que tu vas payer, j'ai donc tu sors ton ça. Truc et la nana elle fait un genre même un semblant de geste, t'es là non ça va, c'est bon, je vais te régler. Moi je trouve ça cool, mais c'est vrai que quand la nana elle est là comme ça et le truc il arrive, elle est là comme ça, elle bouge pas et que tu as payé. D'abord, on n'est pas comme ça. On est souvent soit sur notre téléphone, soit on est en train de se remaquiller, on est en train de regarder notre plat. Oui. L'autre jour, quand on allait au resto, il y avait un date sur notre côté droit. Je ne sais pas si tu l'as vu. Le mec, il allait payer. Donc, ils se sont levés tous les deux. Ils sont allés à la caisse. La nana, quand on lui a sorti l'addition, donc ils sont arrivés à la caisse, elle s'est reculée, elle s'est retournée carrément. Moi, c'est et ce lui, que il a je sorti. Fais, moi. Mais j'ai trouvé ça hyper déplacé. Comment ça, hyper déplacé? Ça va pas. Mais moi, je trouve. C'est mais... toi qui m'as invité, Tony. Non. Si tu m'invites. Non, c'est pas ça. Non, c'est non. Que c'est toi qui ralasses. Déjà. Non, parce que moi, je trouve ça hyper déplacé parce que je me dis, tu sais, il y a une bienséance, il y a une culture. Non, mais en vrai, c'est pas méchant ce que je vais dire. Hein. Mais en vrai, c'est une question d'éducation et de classe sociale. Franchement, je vais tomber dans les pommes. Là. Oui ou non? Et lui, il est d'accord. Non, David, non, je suis déçu.
Mais comment ça, d'éducation? Nous ne serons jamais d'accord sur cette question. Non, mais pas d'éducation. À la fin de la journée. C'est pas une question d'éducation. À la fin de la journée, Shaima. Donc moi, je suis mal éduquée. En fait. Non, je dis pas maman, ça. Maman, regarde. Je n'ai jamais dit ça. Non, moi, ce que je dis, c'est qu'à la fin, je paye. Je paye. Mais il y a une manière de l'amener. Elle, d'entrée, elle va dire hey, sur Tinder, tu payes ou pas? Non. Tu ralasses ou tu ralasses pas? Je parle pas comme ça. Mais du coup, je me dis, c'est voilà. Et en fait, et du coup, je me dis que le fait de demander là, jusqu'au moment de payer l'addition, c'est la même éducation. Non, pourquoi en fait je veux pas laisser ce doute planer? Parce qu'en fait, à la fin, si on s'entend bien et à la fin, le mec il me fait un 50-50. Non, pas cool. Non, non. Je peux pas. Mais ah, mais je l'embrouille. Non, je l'embrouille en fait. Ah, mais je le monte en l'air en fait. Je l'embrouille. Non, moi, il n'y a pas de 50-50. Ça, c'est pas possible. 50-50, non, c'est le mec qui paye, mais pas parce que c'est l'homme. C'est juste parce que c'est plus classe. Mais oui, c'est une mais question justement, de classe. Voilà, c'est une question de classe. Mais c'est pas une, non, c'est pas une question de c'est à lui. C'est juste une question de c'est plus classe qui paye. Mais pas de c'est à toi de payer parce que t'es l'homme. C'est, si. Il y a une différence entre les si. Deux. Si, bah si. Parce tu vois, qu'en tu vois la différence qu'il y a entre les deux. Lui, il voit la différence. Oui, qu'il y a mais entre en fait, deux. Vous oubliez. À la fin de la journée, c'est le même objectif. Hein. Il a payé. Mais il y a une question de c'est plus classe et de c'est à toi qui paye. Non, c'est à toi de payer. Non, mais attention, il y a des façons de dire. Moi, jusqu'à aujourd'hui, quand je le dis, les gens ne le prennent pas mal. Après, okay. Si vous le prenez mal, bah. Ok. Non, ok. Ouais, non, mais pour de vrai. Après, okay. Franchement, je ne suis pas d'accord sur le fait que ce soit de l'éducation. Je suis désolée. Moi, il fut un temps, c'est même moi qui payais l'essence de mon ex pour qu'il vienne me voir. Là, vous étiez en couple, c'est pas c'est pareil. C'est moi. Oui, et bah même dans les dates. Même dans les dates et tout, à mais l'époque. T'imagines ton date, tu payes expliquer. L'essence du gars pour qu'il vienne. Je vais et vous alors, expliquer. C'est toi qui paye. Non, mais je vais vous expliquer, genre, en gros, à l'époque, parce ouais. Que oui, j'ai plus 20 ans. Franchement, ça ne me dérangeait pas de faire le 50-50, mais pourquoi? Parce qu'on était étudiants, ah. Parce que voilà, bah, c'était un peu compliqué des deux côtés, etc. Mais là, à un certain âge, plus 30, si le mec, le premier rendez-vous, il paye pas, mais nous, en fait, on se fait toute une histoire en fait, dans notre tête. En fait, c'est la même chose. Oui, en fait, c'est que quoi qu'il arrive, quoi qu'il 98% arrive. Du cas, des cas, c'est nous qui avons payé, il y a zéro souci, on est OK, on paye, payé, voilà. On paye et tout. C'est juste le comportement de la fille au moment où le mec va payer. Donc ça en dit long sur moi. De ouf. Donc je suis une mauvaise fille. Mais je t'aime quand même, tu sais. Je suis une mauvaise fille. Tranquille, t'es cool. Donc là, sur cette question-là, on est d'accord. Finalement, puisque c'est le mec qui paye. Oui, on est d'accord à moitié. Là, on n'est pas d'accord. Non, on n'est pas d'accord sur la manière, mais on est d'accord sur le fait que ce soit le mec qui paye. Oui. Allez, c'est bon, c'est validé. C'est bon. Je suis gentille quand même. Je suis une meuf bien, hein, les gars. S'il y a des gars qui passent par là. Est-ce que la différence d'âge est un problème? Oui. Voilà, alors. Question suivante. Grave. De ouf, un homme. Ok, non, alors. Pour moi, c'est. Ok. Question suivante, est-ce que la différence d'âge est un problème? Toi, par exemple, il faut qu'il soit. S'il est plus jeune, c'est un problème. S'il est plus. Ouais. Ah, s'il est plus jeune, c'est un problème. Oui. Donc, faut pas qu'il soit plus mais jeune. Moi, je suis space aussi. Ok, vas-y. Bah, en fait, je vais vous raconter un petit peu. Mais moi, j'ai été matrixée par ma mère tout le temps. Elle me disait, Shaima, il faut que tu prennes quelqu'un de plus âgé, 2-3 ans de plus. C'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Et pendant des années. Désolée, maman, je suis. Mais c'est vrai, là, elle dit la vérité. Non, mais... Elle embrouille sa mère à travers le truc. Non, mais c'est elle sûr. Dit la vérité. C'est sûr, elle va dire, mais tu dis n'importe quoi et tout. Si tu me disais ça. Et du coup, franchement, c'est grave entré dans ma tête. Et du coup, ben, je ne peux pas rencontrer ni plus jeune que moi. Ni le même âge, donc, si ni la... un an de plus que voilà, moi. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Pas. Donc en gros, il faut qu'il ait au moins 2 ans de plus que toi. C'est ça le minimum. Ouais, 2-3 ans. Et j'ai même l'impression que ça la gêne. Donc en fait, c'est 3 ans alors. T'as quel âge? J'ai quel âge? Pas tu me donnes quel âge? Je sais pas, 29-30. Okay. Ouais, j'ai 32. S'il a 3 ans de plus que toi, c'est mort. Non, il faut qu'il c'est ait... bon, c'est non, validé. Il faut qu'il ait plus, au moins plus de 3 ans, 3 ouais, ans de plus. Ouais. Ok, d'accord. Après, je sais que c'est totalement erroné. Hein. Oui, c'est juste parce que je vois la tête de David et tout en mode... Ouais, c'est juste un ancrage de ta mère, en fait. Voilà, c'est un ancrage des pensées limitantes qui font que, alors que je sais très bien et je pense qu'il y a des mecs plus âgés, enfin plus jeunes, pardon, ouais. Qui sont beaucoup plus matures... Mais largement. Que moi-même. Mais, okay. Mais ça, je, ouais, en sachant, fait, sachant que je vais rajouter un petit truc. Quand tu commences à chercher des hommes dans la tranche d'âge que tu veux, des hommes qui aient réussi, qui soient accomplis, qui aient de l'argent, qui soient indépendants, qui aient cet âge-là, 2%. Qui aient pas d'enfants, y en a, ça va devenir de... Enfin, c'est déjà de plus en plus compliqué. Oui. Ok, d'accord. Je voulais être sûr. Je voulais être sûr. Très bien. Je vais vous donner mon avis, hein, si ça intéresse quelqu'un dans cette pièce. Moi, je pense qu'une nana plus jeune, c'est pas un problème.
Et je vais être factuel, parce que dans cette vidéo, je vais dire la vérité sur les hommes. Peut-être qu'on va pas m'aimer, peut-être que les hommes vont pas m'aimer, peut-être que les nanas vont pas m'aimer, mais je vais dire la vérité. Une nana plus jeune, pourquoi c'est peut-être mieux pour certains hommes qui ne veulent pas des enfants tout de suite, c'est qu'elles ont le temps. Alors qu'une nana... J'ai encore le temps, moi. Mais oui, mais bien sûr que t'as le temps, bien sûr que t'as le temps. Mais une nana qui va être un peu plus âgée, forcément, va plus vite penser aux enfants, plus vite penser peut-être au mariage ou pas, ça dépend de la culture de la famille, sa propre culture, ses propres envies. Donc forcément, une nana plus jeune pour un mec plus âgé, c'est très... Est-ce que tu penses agréable. Que c'est que pour ça? Peut-être aussi qu'il préfère des corps différents. Donc et forcément, plus jeune, c'est un corps différent qu'une femme qui va peut-être être un peu plus âgée. Et à l'inverse, un mec plus jeune préférera souvent une femme plus âgée parce que... Et je pense qu'un mec plus jeune va préférer parfois des nanas plus âgées parce que c'est... Bah, il pourra faire d'autres choses que ses copines ne connaissent pas encore, qui ont le même âge. Et moi, de mon côté, plus jeune, plus âgée. Tant qu'elle est cool et qu'il... Non, tant qu'elle est cool, qu'il y a un bon feeling, que dans sa tête, ça se passe bien, t'as pas c'est ce cool. blocage. Absolument pas. Après, elle peut être plus âgée comme plus jeune. On peut parler même, aussi... Même si je préfère plus jeune, quoi. Ah, t'as précisé, regarde. Ben oui. Tu précises. Mais oui, mais... T'as une préférence, quand même. Ben, j'ai une petite préférence. Bon, en même temps, t'as quel âge? Quel âge vous me donnez? Je suis éternel, je dirai jamais mon âge. Bon, allez, je balance pas, je suis gentille. Faudrait aussi parler du fait de rechercher un papa. Ouais. Et les mecs plus jeunes, enfin, le fait qu'ils recherchent une madré, quoi. C'est-à-dire? Moi, j'avoue. Pourquoi tu rigoles? David, toujours quand je réponds, il se fout de ma gueule. Non, mais en vrai, et je l'ai déjà dit sur Instagram, quand je dis, je le sors, je le balance ou pas? Je le vas-y, dis ou vas-y, pas. Vas-y, dis-le. Non, mais attention, parce qu'après, les gens, ils vont croire vas-y, que... Vas-y, balance. Non, mais les gens, ils vont croire que c'est bizarre. Non, c'est pas bah, bizarre. En vrai, moi, j'avoue, je cherche un peu un daddy, tu vois. Mais pas un sugar daddy. Ah, t'as capté. Enfin, j'ai, si. J'allais rajouter le mot. T'es sûr qu'il n'y a pas sugar devant daddy? Non, mais en vrai, j'aime bien le côté en mode je m'occupe de tout. C'est genre, je gère. Hey. Mais ouais, mais ça fait trop du bien en fait. T'occupes genre, de rien, non, je m'occupe de tout. La vie, elle est trop fatigante, les filles. Et franchement. Et après, pour lui, elle n'est pas fatigante? Non, lui il vit oui, en fait. Mais... Lui, il life en fait. Ça peut être le charbon en permanence. Tu dois charbonner pour elle, tu dois charbonner pour tout. Non, mais tout attention. Pour toi, pour ta vie. Non, mais tu parlais tout, mais moi aussi je travaille, je ne suis pas là, je me dors pas. Ouais, mais lui, ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'il faut qu'il bosse pour deux. Bah. Il doit bosser la journée. Bosse. Mais oui, bah il non, doit être là pour bosse. Toi et machin. Et oui. qui est là pour mais lui mais c'est pas un travail de me câliner, ça va pas la tête non, mais ou quoi qui est là pour lui, lui s'il est pas et bien ben, par je suis exemple. Là, moi j'écoute, regarde, j'ai deux oreilles. Elle a dit j'écoute, mais par contre lui il doit venir la câliner, machin. J'écoute, enfin. Bah non, je serai là. Mais en fait, le truc qui m'énerve, c'est qu'on est là, enfin moi personnellement, je cherche quelqu'un qui puisse m'assumer. Mais attention, quand je dis, tu vois, regarde, je quitte. Vas-y, je quitte ce plateau. Non, reviens, Shaina, reviens, ne pars pas. Tu vois Moi, je vois. J'ai pas un gosse. Je vois un mec de 45 ans avec des grosses fesses de billets. Qui l'envoie comme ça. Mais c'est grave. C'est ça le problème. C'est pour ça. Non, mais attends. Donc, c'est pas un sugar daddy. C'est juste tu quelqu'un. Tu vois, le mot assumer une personne. Oui, on a peut-être pas la même définition. Bah, vous pensez directement michto. C'est quoi etc. ta définition de assumer qui pour t'assume, moi, toi assumer, c'est déjà assumer. Donc, khalas. On parle de ça. Non, mais sérieusement, assumer dans le sens où, bah, je sais pas, moi, on va faire des sorties, il va me mettre bien en fait. Parce qu'à partir du moment où le mec me met bien, je me dis, David, on a dit David sort du David, plan. Il a une tête. Parce que... non, d'ailleurs, mais, les filles vont être d'accord avec moi. Attends, j'ai pas terminé. Parce qu'en gros, je me dis, ok, s'il arrive à m'assumer, il va aussi assumer une famille. C'est tout. Genre en mode, je peux compter sur lui. Okay. Après, attention. Franchement, en fait, j'ai compris. J'essaie juste de traduire. Pour nous, les hommes, je vous fais une traduction. Je ne suis pas une michto, en fait. Elle est en train de dire que ce n'est pas une michto. Elle est en train de dire, montrer que vous êtes responsable et que vous pouvez la responsabiliser. Enfin, pas la responsabiliser. Être la prendre en charge de façon à montrer que vous soyez responsable parce qu'elle se dit, ok, ça peut être un bon père pour mes enfants parce qu'il sait s'occuper de moi et donc s'occuper d'une famille. Rien à voir avec mets-la bien. Voilà. Je parle pas essentiellement genre d'oseille, je veux des Louboutins, je veux okay. Tenue, je suis venue avec quoi? Une valise ça c'est des tenues, ça coûte que dalle, c'est Pretty Little Things, ça coûte 10 euros. Comme j'ai des bijoux ou pas? J'ai rien du tout. Moi non plus. Voilà.
Mais tu mens, toi, c'est quoi ça? C'est rien, ça, c'est une Swatch. D'accord. Je ne vais pas dire c'est quoi la marque, mais ok. Ah oui. Mais pas besoin d'avoir des beaux vêtements, comme disait. Moi, je ne suis pas du tout. Enfin, je suis un peu matérialiste, mais pas à ce point. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne dépense pas. C'est ça le problème. David, t'as rigolé. Mais non, parce que tu dis oui, khala, c'est tout, machin, etc. C'est pas ça. Non, mais parce que c'est la définition d'assumer. Oui, mais ça y est. Non, mais c'est la définition que les gens ont l'habitude d'entendre, malheureusement. Mais les gars, je suis pas une michto, je veux juste quelqu'un qui soit en place et tout, comme moi aussi. Je suis ambitieuse, je cherche à bosser à fond, je cherche à me construire aussi moi-même. Okay. Je suis pas là en train d'attendre que les gens me fassent des virements. Okay. Donc est-ce que nous sommes plutôt d'accord sur cette question? Ah bon, t'as dit quoi? Alors, à l'origine, c'était une question sur l'âge. Oui, c'est vrai. Donc, on est plutôt d'accord. Moi, je suis plutôt. Alors, quoi? Mais non, on n'est pas d'accord du tout, en fait. Attends. Parce que toi, tu ne veux pas plus jeune. Et oui. Moi, je dis plus jeune, ça ne pose pas de problème. Ouais. Mais parce que c'est pas pareil, tu es un homme et je suis une femme. Je veux dire, à quel moment je vais assumer un mec, en fait? Non, je ne suis pas maman. Par contre, moi, je cherche un daddy. C'est pas pareil. Ok, nous ne sommes pas d'accord. Mais attends, il y avait autre chose aussi à parler par rapport à ça. Je pense savoir, mais vas-y. Parce qu'attention, il y a des filles dans mon live qui parlent en mode « Ouais, j'ai 20 ans, 21 ans, et le mec, il a 23 ans, il n'est pas en place, il roule avec une Clio et je sais pas quoi. Ouais, les meufs, réveillez-vous. Il vient de sortir de l'adolescence. Voilà, merci. Voilà. Donc, en fait, nous, on a des critères et des attentes plus élevées parce qu'on envisage de faire une famille. En fait, pour moi, à cet âge-là, un mec de 35 ans et tout, il est censé au moins avoir accompli des choses... S'être sacrifié, comme tu l'as dit la dernière fois dans le live, c'est vrai ou pas? Ouais, mais tu peux pas attendre d'un jeune de 20 ans, 25 ans d'être en place. Ouais, mais là, en vrai, tu peux pas attendre de ça d'un homme de 35 ans non plus. Hein. Pourquoi? Ah ouais. Je pense que les gens sont trop matrixés par Instagram. Mais de ouf. C'est trop matrixé par Instagram. C'est pas la vraie vie de rouler en lambeau à 35 ans. Mais non, ça c'est pour les arnaqueurs moi, de Dubaï. Je m'en fiche, moi, des lambeaux, des trucs comme ça. J'ai fait ça quoi à Dubaï, les gars. Donc, oui, non, mais moi ce que je veux dire, c'est que même à 35 ans, c'est très jeune pour un mec d'être accompli à cet âge-là. Un minimum. Non, il n'y a pas un minimum. 35 ans, moi, pour moi, la vingtaine, c'est quand ton cerveau. D'ailleurs, à 25 ans, ton cerveau, tu sais qu'il n'est pas fini. Donc, ça, le mien non plus, il est toujours pas fini. Même psychologiquement, il ne peut pas se finir. Non, mais vraiment, tu sais, dans la biologie, tu vois. Et donc, du coup, forcément, à 20 ans, tu ne peux pas lui demander ça, son cerveau, il est en train de se faire. Et à 35 ans, c'est là où le mec, il charbonne, il apprend, il commence à gagner de l'argent. Donc, il ne peut pas être en place. Il vient de commencer sa life. Et pour ceux qui arrivent à 35 ans ou dans la trentaine à être en place, mais franchement, ça retec, parce que franchement, ce n'est pas tout le monde qui arrive. Je ne suis pas d'accord. Mais bon, si ça, c'est un critère, le truc dont je parlais des mecs, ils viennent faire ça, quoi, de tout à l'heure. Tony, tu parles d'âge et tout, mais pour moi, ce n'est pas, c'est pas l'âge. C'est... Le caractère de la personne, est-ce que le mec il va être débrouillard ou pas? Il y a des gens qui n'ont même pas fait d'études, qui sont sortis après le collège. C'est 5% final, des gars, c'est 5% des oui, gens. Oui, et bah, c'est ça que je veux. Allez, venez. Mais non, mais c'est comme ça que je veux. Imaginez que 100% des femmes, presque, façon de parler, pas 100%, j'exagère, mais vas-y, tu sais quoi, même si c'est 30% des femmes, elles ne peuvent pas avoir ces 5% de gars. Sinon, il y en a qui vont finir avec leur chat, quoi. J'en ai deux, moi, déjà. Vas-y, on continue. Ok, next. Donc là, c'est quoi? Bah, du coup, on n'est pas. Donc, du coup, on n'est absolument pas d'accord. On n'est pas d'accord. Du coup, on n'est pas d'accord. Alors, est-ce que la pression familiale, de ton côté, tu peux la ressentir ou est-ce que tu la ressens? Moi, par exemple, de mon côté, bah, je vais expliquer, c'est absolument pas, je pense, le même cas que toi. Mais toi, du coup, la pression que tu sens de ton côté, c'est quoi? Bah, en fait, en fonction de la religion, je pense. Ok. Je vais parler de moi parce que je suis marocaine et musulmane. Eh bien, écoutez, il y a eu c'est des... C'est maman, si tu passes par là, oui, toi et moi, on en a vu des vertes et des pas mûres. Bon, ça s'est calmé depuis. Pourquoi? Parce qu'elle a compris comment les mecs... d'aujourd'hui sont, voilà. Donc, différent de son époque, très et différent. Du coup différent de ton père, j'imagine. Exactement, okay. Exactement. C'était quoi la différence entre ton père, qui a 30 ou 20 ans, et aujourd'hui? Il n'y a pas trop de différence parce qu'en fait, le premier date, donc du coup, ça s'est bien passé. Et en fait, il a menti, il a dit qu'il vivait à Paris. Et il vivait où? Et en fait, c'est pas vrai, il vivait en Normandie. Et pourquoi? Et en fait, le lundi, ils se sont recroisés. dans un truc de pressing. Et elle lui a dit, mais t'étais pas à Paris, machin, et en fait, enfin, voilà. Et pourquoi elle a dit ça? Bah, il voulait faire le beau gosse, parce qu'en fait, ah à oui, l'époque, genre, vivre j'habite à Paris et tout, ça faisait stylé, en fait. C'était vraiment genre... Ok, c'était stylé. Ouais, c'était stylé. Okay. Bah, les gens de Normandie, quand on entendait Paris, c'était un truc de fou. Wow. Je veux pas non plus raconter toute la vie de mes parents et tout ça, mais c'est vrai que ma mère, elle a quand même accepté pas mal de choses. Okay. Et moi, je lui ai dit, franchement, le premier truc, si je vois qu'il m'a menti, comme là, ça s'est passé, ouais. Je le croise dans un pressing alors qu'il m'a dit qu'en fait, il est rentré à Paris et tout ça, mais moi, c'est bon, je te next, en fait.
Ouais, mais après, si tu fais que nexer, outre la pression familiale, je vais rajouter un truc dans cette vidéo qui va être très importante pour vous, mesdames. J'ai souvent l'impression, je ne sais pas si c'est pour toi, David, c'est pareil, mais que les femmes... On nexte très vite. Waouh. Ouais, je sais. Genre, premier red flag, c'est salut. Elle a dit le mot. Ouais. Je trouve que les meufs, elles sont à la recherche du red flag. Genre, oui, mais il est super, mais je ne comprends pas ce qui ne va pas. Mais il est juste super, c'est cool. Pourquoi elle va chercher une embrouille? Pourquoi elle va chercher un red flag? Et dès qu'il y a un truc, ça nexte direct. Oui. Ça, c'est un problème de notre époque, je pense. Aucune chance, t'as pas de chance, quoi. Non, mais attention. Si nous, les gars, on faisait ça, enfin, parce que je trouve que les filles le font plus, mais c'est peut-être qu'un avis. Mais c'est normal que vous le faites moins. Il y aurait plus de célibataires sur Terre. C'est normal que vous le faites moins, parce que nous, en général, les red flags, c'est plus en mode, ok, ce mec, il n'est pas sérieux. À partir du moment où le mec, il va me dire, t'as un push-up, t'as des belles lèvres. Non, tu parles pas comme ça. Un mec sérieux, il va pas te dire ce genre de choses. Il va juste pas le dire. Oui, il va pas le dire. Garde-le pour toi, il n'y a pas de souci. Mais pose des questions. Est-ce que tu as déjà voyagé? Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Tu veux combien d'enfants? Enfin, des trucs. Est-ce que je paye le resto? Tu veux combien d'enfants? Les premières questions. Bah, ah ouais. Si. Bah si, je suis désolée, David. Non. À un moment donné, soit tu cherches du sérieux, tu veux te marier. Le date de la mort. Non, mais moi, je vais pas dire. Tu peux pas poser. Toi, tu cherches à te poser. Voilà, on l'entend plus, on passe. Il a fait. Allez. Non, c'est pas ça. Il y a un temps pour chaque question. Il y a un temps pour tout. Non. Ouais. Genre, premier date, tu me parles de ça, moi, ça, c'est un red flag. Genre, la meuf, elle veut trop de. Mais oui. Elle veut trop d'un coup, alors que. Comment ça, trop d'un coup? L'enfant, tu vas pas le faire demain. Mais non, mais dès les premières questions, tu lui dis, tu veux combien d'enfants? Tu veux t'installer dans quelle rue de la ville? Dans quelle ville? Non, mais attention, moi, je pose pas ce genre de questions au tout début. Crédit, on fait où? Dans quelle banque? Ouais, est-ce que je paye tout le crédit ou est-ce que tu payes. Ils se foutent de ma gueule. Mais je pose pas les premières questions, c'est pas ce type de questions. Mais c'est plus, tu te vois où dans 5 ans? Après, j'avoue, oui, tu. Un CDRH. Elle passe un entretien. Tu rigoles, mais j'ai un questionnaire. Oh là là, l'enfer! Nous allons. T'as fait une vidéo sur le questionnaire? Non. Ah, mais on va faire une vidéo sur le questionnaire. Ah, c'est lourd. Ah, j'adore. Pourquoi c'est choquant, les gars? C'est pas choquant. Ok, pression familiale. On continue sur la pression familiale. Pression familiale. Du coup, oui. Pourquoi? Parce que on voit les cousines, les cousins qui sont en train d'évoluer, avoir un gosse, se marier, achat d'appartement, etc., etc. Et toc, 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 Chalima, qu'est-ce que tu fais? Ok. Voilà, donc c'était pas facile. Et puis aussi. Les mamans, enfin surtout les mamans, elles aiment bien comparer du coup leur parcours. Donc ma mère, elle, du coup, elle s'est mise en couple à l'âge de 26 ans. Mm-hmm. Moi, à 26 ans, j'étais à Punta Cana, moi, en fait. J'étais en train de clubber comme mes meurs. Non, j'étais à Dubaï, mais j'avoue que j'ai pas eu ce truc en mode, dès le plus jeune âge, mariage. Ouais, j'ai pas eu ça, en fait. Okay. J'ai pas eu ce truc dans la tête, quoi. Le truc, c'est que toi, du côté de ta famille, du côté de ta mère, plutôt, je vais dire. Ouais. Mon père aussi, mais mon père il parle pas trop. Hein. Ouais. Il parle pas trop, c'est juste à l'âge de 30 ans, il a dit ouais, vas-y, 30 quoi. Ans. Non, il m'a dit 30 ans, c'est vieille fille. Hein. Ah ouais? Ouais, je suis montée dans ma chambre, j'ai pleuré. Oh je dis non. J'avoue, il a raison. Ok, bon, je comprends. Le truc, c'est que moi, et c'est là où je pense que c'est vraiment un. Je vais pas dire que c'est un problème, mais c'est quelque chose du mindset. Ouais. Parce que quand tu commences à grandir, et on en parlait la dernière fois avec David, le truc, c'est que tu te rends compte qu'autour de toi, tes amis, ils sont en train de se marier, ils sont en train de se caser. Là, par exemple, j'ai deux copines. Il y en a une qui est enceinte et il y en a une qui vient d'accoucher. Et toi, tu sais, et elles sont plus jeunes que moi, tu vois. Ah oui, et là, c'est encore plus, ça te met pas. Ça te met une pression. Ouais. Et du coup, tu dis, oula, mais moi. Oui. Et le truc, c'est que moi, je fais quelque chose et je pense que c'est ça qui m'aide. C'est que je recule un peu dans ma vie et je me dis, attends. Elles ou eux sont en train de faire ça. Mm-hmm. Moi, j'en suis où dans ma vie? À quel point je suis accompli? À quel point je suis en train de faire de grandes choses ou de belles choses, et où après je me dis, mais attends, si moi j'ai un enfant plus tard, j'en serai là parce que je serai arrivé à un certain niveau. Mmh. Eux, je ne vais pas dire à cause de l'enfant ou à cause de leur vie ou à cause des engagements, je sais qu'ils ne pourront jamais être à ce niveau. C'est impossible. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu t'es mis en premier. Donc, comme c'est on ça. A dit en fait hier, on en avait parlé rapidement, je pense que nous, on est des personnes où en gros, on veut d'abord s'accomplir. Et après se mettre en couple. Mais attention, il y a des gens qui arrivent à s'accomplir en étant en couple. Moi, personnellement, j'ai du mal. J'ai un truc un peu style en vision. Ouais. Je sais pas si ça va parler à tout le monde. Le jeu FIFA. Ouais. Ça me parle pas du tout. FIFA, ouais. FIFA, ça me parle bien, vas-y. Quand tu prends un joueur, oui. T'as ses stats sous forme de graphique. Ouais. Avec vitesse, jeu, endurance, etc. Et tu sais, il est bon en défense, c'est pas très bon en truc, tu vois ça. Le graphique, il est un peu. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et ben, en gros, je transpose ça à la vie.
qu'on a, mm-hmm. en mettant vie professionnelle, vie familiale, ouais. amis, projet, etc. Mm-hmm. Ouais. Et en gros, je me dis que chaque personne a, cette, a ce graphique ouais. et qu'en gros, il évolue de différentes manières. Donc moi, par exemple, quand je vois des potes à moi qui vont se marier dans 2 ans, 3 ans, ou qui vont avoir un gosse et tout, évidemment, ça me fait un truc. Je me dis, putain, wow, on a le même âge, mais on n'a pas le même parcours. Mm-hmm. Ouais. Et je me dis, ouais, mais moi, à côté de ça, enfin, après, j'ai une super boîte, j'ai ceci. Mm-hmm. Ouais. Ah tiens, j'ai acheté une maison. Ah, j'ai 3 projets en cours. Donc finalement, pro, ouais. j'ai une énorme flèche. Mm-hmm. Perso, je suis en bas. Ouais. À moi de travailler pour ensuite accomplir équilibrer. Un maximum de trucs. Équilibrer. Ouais. Et c'est juste que c'est juste des graphiques qui sont très différents. Ouais, très belle de, image. Le but de la fin du graphique, c'est d'avoir le truc le plus étoilé possible, le plus large possible. Moi, ce que je me dis, c'est qu'il y a des choses dans la vie que tu peux faire à un certain âge et qu'après, c'est trop tard. C'est, je suis d'accord. Et il y en a d'autres, quand tu les fais, c'est bloquant pour la suite. Je m'explique. Pour moi, si tu te maries très jeune et que tu as des enfants très jeunes, si tu veux t'accomplir financièrement, life et après comme jamais, partir en vacances sans réfléchir avec tes enfants, tu prends tout le monde, tu pars. Si tu as fait des enfants tôt, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais. Vraiment beaucoup plus compliqué. Parce oui, parce que c'est des charges en fait. Mais pour ceux enfants, qui ne se rendent pas compte, ceux qui ont des enfants pourront le dire en commentaire, franchement, mais dites-le. Mais ceux qui n'ont pas d'enfants, moi je le sais, un enfant, c'est un budget. Mmh. Et du temps. Ah oui, et du temps. Et du temps. Et quand tu prends ce temps et cet argent, c'est du temps que tu ne mets pas ailleurs. Et oui, pour c'est moi, ça. C'est pour ça que je me dis, par contre, si tu avances sur ta vie pro, mais grandement, pour avoir, tu peux toujours avoir des enfants plus tard. Oui. Et là, pour le coup, bah, tu as réussi à faire quelque chose qui n'est pas bloquant et qui peut même être un bon tremplin. Mais c'est ma vision de la chose. Je préfère me marier plus tard, avoir des enfants plus tard pour pouvoir profiter pleinement avec eux en mode budget no limites. C'est oui, on y va. C'est aussi mon objectif. Mais là, du coup, c'est sûr que dans les commentaires, ils vont dire quoi ? Ouais, mais Shaïma, toi, tu es une meuf, tu n'as pas le temps. Alors que vous, vous pouvez avoir 40, 45 ans, vous allez prendre une petite jeunette de 30 piges ou voilà, de 25, ouais. on n'en a rien à faire. Et vous, ça va. Mais nous, les femmes, c'est beaucoup plus compliqué. Okay. Et en plus de ça, ma mère, franchement, elle a vraiment un truc. Après, j'avoue, elle n'a pas tort. Pour elle, en fait, il faut qu'on s'accomplisse à deux. Donc, en fait, elle m'a toujours dit, on n'applaudit pas d'une seule main. Non, ça ne marche pas. C'est contradictoire avec ce que tu dis d'avant. Oui, mais moi, je ne suis pas d'accord avec elle. Oui. Parce qu'elle, elle attend mon sauveur, en fait. Elle attend mon sauveur de la vie, en fait. Oui, mais... Pour elle, c'est, elle va être archi contente le jour où, ah bah c'est bon, ma fille, je la prends, je la donne à quelqu'un. Tiens, elle va s'en occuper. Tu gères à maintenant. C'est très culturel. Ah oui, 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 c'est culturel. Oui, non, c'est, je suis d'accord que c'est purement culturel. Mais je me dis, s'accomplir à deux quand elle, elle veut quelqu'un déjà accompli. Bah quoi mais ça ne marche pas. Mais justement, c'est parce que... Oui, mais... Toi, tu veux quelqu'un déjà accompli oui. pour t'assumer. Oui. Non, et alors, c'est quoi le problème ? Quelqu'un qui est déjà en haut et qui lui donne une corde pour la fin de ta vie. Merci. Ok, donc quelqu'un Merci. Qui est déjà en haut et qui lui donne une corde pour oui. la fin. Mais le truc, c'est qu'un mec qui est réellement accompli et trop bien dans ses baskets et tout, il a tellement pas envie de filer une corde pour... Mais bien sûr. Un mec déjà accompli... Genre moi. Non, non, mais vraiment, David a raison. Un mec déjà accompli, il veut pas envoyer une corde et faire monter. Pourquoi ? Mais parce, qu'il, mais parce qu'il veut une meuf qui est en haut au même niveau. Ah ouais, bah vas-y, je suis juste en dessous, moi, c'est bon, genre. C'est ouais, mais, la corde. Oui, elle a une marche. Mais elle veut que tu lui fasses la marche en marbre, bien machin, que tu lui mettes les chaussures, les loup-boutins pour marcher sur la marche, que tu la portes limite comme un sur la marche. Mais lui, jamais il veut faire ça. Lui, il se dit, moi, je suis là, si t'es pas à mon niveau. Je suis pas d'accord. Bah non, parce que justement, t'as dit quoi ? Sur la partie 2 de cette vidéo voilà. qui est sur mon compte, on va parler des voilà. classes sociales. Ça va être très intéressant, je pense. Oui, bah du coup, t'es d'accord avec moi, en fait. Parce que Est-ce... je ne vais pas spoiler, mais voilà. Ok. Ok, donc du coup, nous ne sommes pas d'accord. Parce que moi, je pense que j'ai le temps. Toi, tu penses qu'effectivement, avec la pression familiale et la ouais. culture, c'est beaucoup plus complexe. Oui. Après, je tiens à préciser quand même, on va dire que je cherche à me marier à 32 ans parce que je ressens aussi le besoin de construire. Donc, c'est cette année-là. C'est cette année. Non, cette année, j'aimerais bien au moins trouver quelqu'un. Au moins quelqu'un. Parce qu'après, j'avoue, je fais un calcul. Je me dis, ok, si je trouve quelqu'un... Et je me marie l'année prochaine, j'ai 33 ans. Après, j'ai un gosse, il faut que j'ai un gosse à 35. Franchement, il faut que j'ai un gosse à 35. Sinon, après, c'est la moelleté, là. Ah, donc c'est là, alors qu'il faut... Ouais, c'est dans... C'est là, mais c'est là, c'est maintenant. C'est, là, c'est là, cet après-midi, c'est là. C'est tout de suite, là. T'imagines la pression sociale, mais solo. Solo. Ah, mais ouais. Non, juste, tu vis maintenant, en fait, t'es juste à la recherche. T'es à la recherche de quelqu'un. Tu vas chercher le meilleur, tu vas juste chercher le... Le disponible. Non, par contre, je fais pas ça. Non, David, je suis pas d'accord. Par contre, non, mais ça veut dire que tu vas chercher le mec disponible, tu vas pas chercher le... Non. Oui, mais quand tu te mets cette pression-là, tu n'es pas en train de bosser sur toi-même, tu n'es pas en train de bosser sur tes trucs, tu es juste en mode vite, faut trouver. Non. Mais n'importe okay. quoi. Bah, il se passe quoi si, Et si tu ne trouves pas à 35 ans, il y a R, c'est comment ?
Ah, il y a une gêne là. Vous l'avez vu? Hop là. Franchement, mais non, c'est pas cool. Non, mais franchement, moi, je pleure. Mais moi, je sais que c'est pas bien. Moi, je te connais. Cette année, tu trouves. Il faut que je trouve. Cette année, tu trouves. Il faut que je trouve. Cette année, elle trouve. Next. Sur cette question, nous ne sommes pas d'accord. Ok. Quelle est l'importance de la religion dans un couple? Alors, du coup, cette question, elle est sur ma vidéo parce qu'il y a beaucoup de femmes qui me suivent, qui sont musulmanes et maghrébines. Et là, j'ai tellement de choses à dire sur les rebeux, mecs, musulmans, help, aidez-nous, SOS, Tony. Fais quelque chose. Non, mais sérieusement, en fait... Franchement, je ne vais pas mentir, mais pendant des années et tout, moi, je ne sortais pas trop avec les rebeux. Parce qu'en fait, un jour, je suis sortie avec quelqu'un, enfin, un rebeu, et il m'avait traumatisée. Genre, enfin. C'était terminé et il m'avait insulté tous les noms. Et genre, j'ai dit, plus jamais. Lui, mais oui, mais c'était lui qui t'insultait, c'est pas tous les rebeux. Oui, je sais, mais tu connais l'humain. Amalgame de ouf. Non, mais l'humain, on fait beaucoup ça. Genre, en fonction de nos expériences, on commence à se façonner une image de telle origine, de telle... Malheureusement. Oui, je ne dis pas que c'est tout le monde. Ah ouais. Et en fait, bah, du coup, dernièrement, je ne fais que dater des maghrébins. Je dis maghrébins parce que arabe, ce n'est pas pareil, machin, okay, etc. Okay. Et pour moi, il faut qu'ils soient musulmans. Il faut qu'ils soient musulmans. Dans l'idéal, convertis. Alors, on était mec. En fait, il y a trois gars dans le monde. Il y a trois gars dans le monde. Ils sont déjà mariés. Elle est en train de parier sur leur divorce. Il ne faut pas qu'ils aient des enfants entre-temps. C'est-à-dire qu'on était sur, à l'origine, nous étions sur « je recherche des hommes ». Ouais. Donc 100%. Voilà. Qui ont plus de 35 ans en moyenne, qui soient accomplis, qui soient disponibles, qui soient rebeux, qui soient musulmans, qui aient une bonne culture, qui soient sympas, qui soient gentils, qui soient blindes. À un moment, ça se touche. Non, mais attendez, en fait, on veut musulmans, pourquoi? Parce qu'en fait, dans la religion... Non, parce dans le métaverse, en fait, tu peux trouver. Dans la religion musulmane, eh ben, si on peut pas se marier avec une autre religion. Genre, en mode, c'est pas validé, tu vois. Ok. Et alors, un converti? Converti, oui. Ah, ouais. Bah, ça en train de s'ouvrir un peu. Converti, en fait, en vrai, converti, c'est plus... parce qu'en fait, les rebeux, ils sont compliqués. Hein. Vas-y. Bah, en fait... T'es déjà sorti avec... Oui. Ok, donc fais-moi la différence entre les deux. Bah... En fait, ils aiment bien avoir le contrôle. Après, attention, encore une fois, je ne dis pas tous les arabes. J'ai capté. Les musulmans, ça. En fait, ils aiment bien avoir le contrôle et elle veut le contrôle. Ouais. Donc, en fait, il y a une guerre d'ego. Voilà. Ça clash de ouf. Ok, je comprends. Après, moi, je ne suis pas trop... moi, j'aime bien genre chacun sa place et tout. Donc, moi, ça ne me dérange pas. Mais celle qui choisit ta place. Non, moi, ça ne me dérange pas. Si le mec, il est plus que moi et tout, moi, ça ne me dérange pas. Bah, pas du tout. Tu peux te laisser maîtriser, genre. Non, doucement. T'as capté. Tu sais, il y a une maîtrise et maîtrise, tu vois. Ouais. Et en plus de ça, je trouve que... Bon, après, encore une fois, je ne généralise pas, mais le peu de mecs, du coup, rebeux que j'ai daté cette année, bah, c'est des pervers narcissiques. C'est comme si, en fait, ils ont été par les expériences, par machin, etc. Et du coup, ils t'envoient des punchlines, ils t'envoient des trucs qui te... Ils vont te rabaisser. Ouais, tu te crois pour... Tu te prends pour qui, machin, etc. Enfin... Je comprends. Mais ça, c'est pour faire baisser ta confiance, pour essayer de... Voilà. Oh, ouais, moi, c'est beaucoup de mecs. C'est pas, je pense pas que ce soit un truc de rebeu. Oui. Eh, hey, les gars, donnez-moi de la force parce qu'on est ensemble. Moi, sur la question de la religion, c'est pas trop un problème. Je suis sorti avec des nanas athées, catholiques, bouddhistes. T'es bouddhiste ou pas, elle, d'ailleurs. Musulmane. Et franchement, ça n'a jamais... juive. Et franchement, ça n'a jamais posé aucun problème. Ça ne t'a pas posé de problème à toi? À moi. Moi, on met un athée devant moi, je dis bah non, en fait, je peux pas. Je dis non. Elle non plus, ça leur posait aucun problème. Hein. Bah, c'est étrange. Non, c'est pas étrange. Après, chacun. Non, je pense que le truc, c'est que. Moi, c'est rédhibitoire. Non, mais c'est rédhibitoire. Du coup, il faut savoir que le classement, il fait ça. Elle, ça ne l'était pas, et du coup, ça leur ouvrait des portes. Oui, mais la religion, surtout musulmane, c'est le plus, genre, non. Je comprends. Mais en plus de te réduire le champ des possibles, tu te prives de quelque chose avec quelqu'un qui peut-être avec qui tu pourrais faire toute ta vie. Parce que ce sont deux êtres humains qui forment un couple, pas une religion. Mais si c'est pas accepté dans notre religion, c'est mort, en fait. C'était beau, cette phrase. Ouais. Ce sont deux êtres humains qui font... En fait, je pense que c'est un peu une question d'envie de personne, en fait. C'est qu'en fait, elle met tout sur
sur la religion. Donc, en fait, mais moi, j'aimerais bien. Si la religion dit non, bon, mais de toute façon, il n'y a même pas. En fait, c'est. Il n'y a pas de discussion, quoi. C'est un sens de discussion. Tu vois, ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. C'est pas comme si tu peux faire changer la vie de quelqu'un, c'est ah, il a dit ça. Il a dit ça, du coup, je peux pas. Mais donc, franchement, en fait, j'aurais bien aimé. J'aurais bien aimé avoir le champ des possibles. Mais... Après, j'ai tendance à penser que la religion aussi s'adapte en fonction des personnes. Et, tu vois, genre, tu prends le meilleur de ce qu'il y a à apprendre et qui te fait du bien à toi, tu vois. Mais si oui. Si ça devient une contrainte et que toi, ça te plaît même pas. Tu l'enlèves. Si ça te fait du mal plus qu'autre chose. T'enlèves cette partie-là de la religion. De... Ouais, voilà. Ouais. Oui. Bon, après, je ne suis pas la musulmane parfaite, tu vois, mais pour moi, c'est... Pour ça, tu vois. Ouais, mais oui, mais la preuve, si tu n'es pas musulmane parfaite, fais en fonction de ce que tu fais. Regardez ce qu'il est en train de dire, ça ne va pas, toi, non, mais... il est en train de me... Non, oh. Oh. Moi, j'ai rien dit, moi, j'ai fait que répéter. Non, parce que... Une fille qui dit, tu vois, genre, je date une fille, et la fille, elle me dit, ouais, non, ça ne sera jamais possible, je suis vivante. Et par contre, elle picole, elle est tatouée... Elle fait pas le ramadan, etc. Ouais. Mais ça, on peut encore changer, David. Alors que si tu te maries à vie, tu vas faire des gosses avec. Donc en fait, t'es dans le haram toute ta vie. Non, en parce fait. Qu'il peut se alors convertir. Que si tu bois, si tu machin, etc., du jour au lendemain, tu peux quand même changer. Oui, mais lui, il peut se convertir pour oui, toi. Mais alors ça, là, tu mises sur. Vas-y, toi, t'es athée. Moi, franchement, combien de temps non. je vais faire pour te, non, franchement, pour te moi, travailler moi, non. Moi, je suis athée. Je tombe sur une nana qui est musulmane ou qui est d'une autre confession et elle me dit bah, moi, pour ma famille, pour moi-même, pour mon éducation, que tu te convertis, ça peut être. Moi, franchement, mais je le fais et j'adopte toute sa culture. Donc, tu vas te convertir pour une personne. Bien sûr. Mais ça ne va pas à la tête, il ne faut jamais faire ça. Il faut se convertir pour sa propre foi. Oui, mais si tu avais. Tu ne te convertis pas comme ça. D'accord. Non. Mais si tu n'avais pas rencontré cette personne, la question c'est est-ce que tu te serais converti? Non. Du coup, forcément, c'est un peu pour cette personne et un peu pour l'ouverture à cette culture. On se convertit pour Dieu, on ne se convertit pas pour une personne. Donc, ce qui veut dire que les champs des possibles, il fait ça. Donc, oui, c'est pas et un bah, il donc, fera ça. Et donc, en fait, toi, il faut qu'il soit converti avant toi. Ouais. Ok, maintenant, je fais un piège. Il a rencontré une nana, il s'est converti, il s'est séparé de cette nana, il s'était converti pour elle. Tu tombes sur lui, il est converti, c'est bon? Oui, je vais lui faire réciter du coup la fatiha, la fatiha et quelques sourates pour vérifier quoi. Et il va te le sortir normal. Mais à l'origine, il ne s'est pas converti pour la religion, il s'est converti pour son ex. Ah non, mais bah non, mais... C'est ça que je te dis. Ouais, mais... Il s'est converti, bah non, il s'est converti pour une nana. Non. Et il tombe sur toi après, non, il s'est séparé de cette nana. Non, et franchement, tout le monde va être d'accord avec moi dans les commentaires. Okay. On ne se convertit pas pour une personne. D'accord, ok. Mais s'il ne te le dit pas et qui dit « Ah non, mais moi, je me suis converti pour l'islam. » Oui, mais après, je le verrai de mes propres yeux s'il est vraiment musulman, tu vois. C'est pour ça que je dis, comme tu ne peux pas vraiment savoir ça, c'est les deux êtres humains qui se rapprochent avant que ce soit leur culture ou leur pression sociale. Parce que ça t'ouvre les champs des possibles. Allez, donc nous ne sommes pas d'accord. Pas d'accord. Allez, tu viens de ma vidéo. Salut. Ciao. La Frenchie Team, la deuxième partie se trouve sur la chaîne de Tony Jazz. N'hésitez pas à aller voir si vous avez apprécié ce beau moment avec Tony, David derrière qui m'ont vraiment, vous m'avez tabassé. Les filles, je compte sur vous, les commentaires, etc. Franchement, soutenez-moi quand même un minimum. Les gars, je vous ai aidé, vous étiez avec moi. Maintenant, la suite de cette vidéo est sur mon compte. C'est parti. Okay. Bisous la team, ciao.